Ils sont venus de tous les départements du Congo. La première édition de cette rencontre dénommée « Grande fête du préscolaire en République du Congo » va tabler sur la formation des cadres, sur les concepts diversifiés, notamment de la neuroscience au préscolaire. Notre retrouvaille, c'est de se former surtout sur les neurosciences. Nous avons des petits-enfants que nous encadrons. Nous devrions comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant. C'est pour cela qu'on a pris M. Steve, qui est orthophoniste, qui va nous former sur les neurosciences. Alors que le préscolaire reste un secteur souvent marginalisé, la directrice générale de l'éducation de base a souligné l'importance d'investir dans l'éducation de la petite enfance. L'année 2024 a été proclamée année de l'éducation par l'Union africaine. Et la stratégie africaine de l'éducation CSA 2016-2025 donne une place importante au préscolaire. La loi scolaire 2595 du 17 novembre 1995, modifiant la loi 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif congolais, à son article 11, stipule que l'éducation préscolaire est le premier niveau du système éducatif et sa finalité est de préparer l'enfant à s'adapter dans les meilleures conditions à l'enseignement primaire. D'après la Banque mondiale, investir dans l'éducation de qualité dès la petite enfance est essentiel pour lutter contre la pauvreté des apprentissages et développer le capital humain. Niétélé Kibi parle aussi des difficultés que rencontre le secteur de l'enseignement préscolaire. Mais force est de constater que l'éducation préscolaire demeure peu développée et accessible, surtout en milieu urbain, dominé par le secteur privé, puis réservé aux couches de population les plus aisées. Il est donc nécessaire d'augmenter l'offre préscolaire et aussi améliorer la qualité de cette offre. Ceci implique des efforts conséquents pour améliorer les capacités d'accueil des centres d'éducation préscolaire, les doter en matériel pédagogique et en personnel enseignant de qualité. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement de la République à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, sous le leadership du ministre Jean-Luc Moutou. C'est par ces mots que je déclare donc ouvert l'atelier de formation des encadreurs et directeurs des centres d'éducation préscolaire. Notons que cette grand-messe du préscolaire a débuté le 25 juin 2024 et prendra fin le 27 du même mois.